Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints à nouveau sur les ondes de Radio Vatican pour suivre en direct l'Angélus de ce vendredi 6 janvier, solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Ici Adélaïde Patrignani pour vous accompagner. Je salue tous nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur notre site internet vaticannews.va, sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook Vatican News en français et via nos radios et télévisions partenaires, Radio Salve Regina en Corse, Radio Fidélité à Nantes, IWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, Celle et Lumière Télévision, Radio-Télévision catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo, Ecclesia Télé de Côte d'Ivoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints depuis les pays francophones. Sur la place Saint-Pierre, des milliers de personnes aujourd'hui, des groupes italiens aussi avec des rois mages, on les a vus à l'écran, qui viennent de la ville de Foligno en Ombrie, et aussi une fanfare italienne, celle du 4e régiment des carabiniers à cheval. Il y a aussi des fidèles qui étaient certainement là hier pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI, qui ont eu lieu également sur la place Saint-Pierre. Et dans ces personnes venues aujourd'hui pour l'Angélus, il y a un groupe qui brandit une bannière où est écrite « Benoît XVI, docteur de l'Église ». Certains fidèles, et ils sont nombreux, réclament en effet le doctorat du pape émérite, dont l'œuvre théologique abondante a marqué les esprits. Et le pape va arriver d'une minute à l'autre à la fenêtre du palais apostolique pour la prière de l'Angélus. Il vient de célébrer la messe de cette solennité de l'Épiphanie en la basilique Saint-Pierre. Au cours de son homélie, le pape François a invité à avoir toujours l'inquiétude du questionnement, à prendre le risque du cheminement et à ne pas oublier l'émerveillement de l'adoration. Trois attitudes qui reprennent celles des mages venus rencontrer le Seigneur Jésus dans la crèche pour l'adorer. Et voilà, sous une salve d'applaudissements, le pape François qui vient d'apparaître à la fenêtre du palais apostolique. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête. Aujourd'hui, en la solennité de l'Épiphanie, l'Évangile nous parle des mages qui, arrivés à Bethléem, ouvrent leur coffret et offrent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages d'Orient sont célèbres pour les cadeaux qu'ils ont offerts. Mais en réfléchissant à leur histoire, nous pourrions dire qu'ils ont tout d'abord reçu trois cadeaux. Ce sont eux qui ont reçu trois dons précieux qui nous concernent aussi. Ils donnent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais quels sont les trois dons qu'eux, ils ont reçus? Le premier don est le don de l'appel. Les mages ne l'ont pas pressenti en lisant les Écritures ou en ayant une vision d'ange, mais ils l'ont entendu en étudiant les étoiles. Cela nous dit quelque chose d'important. Dieu nous appelle à travers nos plus grandes inspirations et nos plus grands désirs. Les mages se sont laissés surprendre et troubler par la nouveauté de l'étoile et se sont mis en route vers ce qu'ils ne connaissaient pas. Instruits et sages, ils étaient davantage fascinés par ce qu'ils ne savaient pas que par ce qu'ils savaient.
Ils se sont sentis appelés à aller plus loin. Ils ne se sont pas sentis heureux en restant là, non. Appelés à aller plus loin, ceci est également important pour nous. Nous sommes appelés à ne pas nous contenter et à chercher le Seigneur en sortant de nos zones de confort, en marchant vers Lui avec d'autres, en nous immergeant dans la réalité. Car Dieu appelle tous les jours, ici et aujourd'hui. Dieu nous appelle, chacun de nous, tous les jours. Il nous appelle ici et maintenant, il nous appelle dans notre monde. Les mages nous parlent ensuite d'un deuxième don, le discernement. Étant donné qu'ils sont à la recherche d'un roi, ils se rendent à Jérusalem pour parler au roi Hérode, qui, cependant, est un homme avide de pouvoir et veut les utiliser pour éliminer le Messie enfant. Mais les mages ne se laissent pas piéger par Hérode. Ils savent faire la distinction entre le but du voyage et les tentations qu'ils rencontrent sur leur chemin. Ils pouvaient rester là, dans la cour d'Hérode, tranquillement, mais non, ils vont de l'avant. Ils quittent le palais d'Hérode et, attentifs aux signes de Dieu, ils ne passeront plus par là, mais reviendront par un autre chemin. Il est très important, frères et sœurs, de savoir distinguer le but de la vie des tentations sur le chemin. Une chose est le but de la vie, une autre chose sont les tentations. Savoir renoncer à ce qui séduit et qui conduit sur un mauvais chemin pour comprendre et choisir les voies de Dieu. Le discernement est un grand don et il ne faut jamais se lasser de le demander dans la prière. Demandons cette grâce, Seigneur, donne-moi la capacité de discerner le bien du mal. Le mieux du moins bon. Enfin, les mages nous parlent d'un troisième don, la surprise. Après un long voyage, que trouvent ces hommes de haut rang social? Un enfant avec sa mère. Une scène certes tendre, mais pas étonnante. Ils ne voient pas d'anges comme les bergers, mais rencontrent Dieu dans la pauvreté. Peut-être s'attendaient-ils à un Messie puissant et prodigieux, et ils trouvent un bébé. Pourtant, ils ne pensent pas s'être trompés, ils savent le reconnaître. Ils accueillent la surprise de Dieu et vivent leur rencontre avec lui dans l'émerveillement, en l'adorant. Dans la petitesse, ils reconnaissent le visage de Dieu. Humainement, nous sommes tous enclins à rechercher la grandeur, mais c'est un don de savoir comment la trouver vraiment, savoir trouver la grandeur dans la petitesse que Dieu aime tant. Car c'est ainsi que l'on rencontre le Seigneur, dans l'humilité, dans le silence, dans l'adoration, dans les petits et les pauvres. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés par Jésus. Premier don, l'appel. Nous pouvons tous discerner sa présence, selon le don du discernement, discerner sa présence. Nous pouvons tous faire l'expérience de ses surprises. Troisième don, la surprise. Aujourd'hui, il serait bon de se souvenir de ces dons que nous avons déjà reçus. L'appel, le discernement et la surprise. Repensez au moment où nous avons senti un appel de Dieu dans notre vie, ou au moment où, peut-être après beaucoup d'efforts, nous avons été capables de discerner sa voix, ou encore à une surprise inoubliable qu'il nous a faite en nous étonnant. Que la Vierge Marie nous aide à nous souvenir et à prendre soin des dons que nous avons reçus. Maintenant, la prière de l'Angélus. Benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et la bénédiction du souverain pontife. In nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. La foule très nombreuse aujourd'hui qui applaudit le pape François, qui reprend la parole. Chers frères et sœurs, j'adresse de tout cœur mes vœux aux communautés orientales, catholiques ou orthodoxes qui demain célèbrent Noël, la nativité du Seigneur, en particulier aux frères et sœurs du peuple ukrainien martyrisé. Que la naissance du Sauveur donne espérance, réconfort et inspire des pas concrets qui puissent conduire enfin à la fin des combats et à la paix. Prions tant pour la paix. À la fin de l'Épiphanie, on célèbre au jour de l'Épiphanie, on célèbre la journée missionnaire des enfants. Je salue tous les enfants, les jeunes, qui, dans chaque coin du monde, diffusent la joie d'être amis de Jésus, qui s'engagent avec la prière, les sacrifices, les actions à soutenir l'Évangile. Je salue vous tous, pèlerins de Rome et de différents pays. En particulier, je salue les participants au cortège historique Viva la Befana, réalisé cette année par la commune de Foligno, sur le thème de la paix, de la solidarité et de la fraternité entre les peuples. Je remercie le maire et l'évêque de Foligno, les autorités, les associations, les fanfares qui donnent vie à ce défilé, à cette manifestation. Et aussi au défilé des rois mages qui se déroule aujourd'hui dans tant de villes de Pologne. Je salue les confirmants de Lombardie, de Romano di Lombardia, une association du diocèse de Piacenza, les volontaires de la Fraterna Domus, et je salue les jeunes de l'Immaculée. Je souhaite à tous une bonne fête. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et à bientôt. Au revoir. Voilà le pape François qui a renouvelé son appel à prier pour la paix en Ukraine, alors que beaucoup de chrétiens orthodoxes notamment célébreront demain
la fête de Noël. L'Ukraine, où un cessez-le-feu a commencé ce matin à 10h, heure de Rome, un cessez-le-feu décrété unilatéralement par la Russie hier, à l'occasion du Noël orthodoxe et qui devrait se tenir jusqu'à samedi. Et voilà, et c'est avec la prière de l'Angélus que s'achève cette retransmission. Merci beaucoup de l'avoir suivi en direct sur les ondes de Radio Vatican. Le prochain direct, ce sera demain pour la fête du baptême du Seigneur, célébrée par une messe en la chapelle Sixtine, avec le pape François qui baptisera également quelques bébés. Vous nous retrouverez donc demain à 9h30. Ce sera ma collègue Delphine Allaire qui commentera, et ensuite il y aura la prière de l'Angélus à midi. Dimanche 8 janvier. En attendant, je souhaite à chacun et à chacune une très belle journée, une très belle fête de l'Épiphanie. Là au détour, Jésus Christus, loué soit Jésus Christ.